revenir avec cette idée que Ricoeur a le grand projet, dans ce domaine politique, de réarticuler l'éthique et le politique. Et qu'on suit là, on voit ça assez peu, mais très distinctement dans l'article qu'il a consacré pour l'encyclopédie universaliste au mot liberté. Il raconte à cette occasion que pour lui, avec Aristote, il y a une véritable articulation entre éthique et politique, et que ça correspond à la cité grecque, mais qu'à partir du moment où la cité grecque s'est trouvée, dit-il, engloutie dans l'empire macédonien, les choses se sont désarticulées, et que d'un côté on a vu un état, une conception de politique de plus en plus dissociée de l'éthique, pour aboutir par exemple à Machiavel, qui a donné Machiavel, et de l'autre côté, l'éthique s'individualise, privatise, devient presque nobulesse, devient de plus en plus psychologisante, dit-il. Et donc son grand travail par rapport à cette problématique est de réagencer les deux termes. D'où cette idée que là, effectivement, on est en plein dans l'éthique, mais proposition de mon propos sera de montrer la direction, en fait, la construction pas à pas qui permettra de passer de l'éthique à la passerelle qui mène au politique. Voici ce qu'on va ainsi arriver à ce que Ricoeur appelle le sens de l'institution, dont le synonyme, chez lui, est aussi l'éthique démocratique. Et donc là, on est sur le seuil de la vie politique. Premièrement, donc, sa préoccupation, c'est l'enracinement des institutions justes dans ce qu'il appelle l'éthique de la vie bonne. Ricoeur, évidemment, part, comme vous savez, de l'éthique par opposition à la morale, tout en signalant qu'elles sont toutes les deux synonymes, en tout cas d'un point de vue étymologique, parce que les deux reviennent, quoi, à travers le grec ou à travers le latin, à la notion de mœurs. Mais ce qu'il s'agit pour lui, en fait, de marquer la distinction par convention de sa part entre les deux thèmes, pour mettre au jour ce qu'il appelle l'intention spécifique de l'éthique, c'est-à-dire un questionnement qui précède l'introduction de la morale, morale comprise comme ce qui se rapporte à des lois, des normes, des contraintes, des impératifs. L'éthique précède la morale car l'intention éthique est sous-tendue par un projet, par ce qu'il appelle un dynamisme propre à la question « comment voudrais-je mener ma vie ?» Question qui, dit-il, est antérieure à la question proprement morale, c'est-à-dire « que dois-je faire ?» C'est ainsi que les normes s'enracinent dans, dit-il, la vie et dans le désir. Inversement, dans un texte bien antérieur, repris dans l'histoire et vérité, un texte des années 60, Ricoeur souligne « toute éthique de la contrainte engendre la mauvaise foi et l'imposture. La mauvaise foi de celui qui obéit sans y croire et l'imposture de celui qui prétend se faire obéir, mais au nom de quoi ?» Bref, donc l'éthique pour Ricoeur procède d'une liberté qui se pose et dont le projet ne passe que secondairement par la morale. D'où l'intention éthique de viser à la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes qui s'enracinent, dit-il, dans le désir d'exister pleinement, désir de dire qu'il est bon pour moi d'exister plutôt que de ne pas être, ce qui comporte quelque chose de fondamentalement bon. Cette visée qui est celle du bonheur est foncièrement, persiste-t-il, une non-vision, car le bien visé est précisément ce qui manque à tous les biens particuliers. Le bonheur relève donc de la catégorie du sens. Le lien entre vie et désir, manque et accomplissement constitue, dit-il, le socle de l'éthique. Ricoeur désigne cette visée tantôt comme un souhait, tantôt comme un souci, tantôt comme l'un et l'autre. Et donc cette figure a sa figure en positif, qui est ce qu'il appelle l'optatif, c'est-à-dire le souhait, et en négatif, qui est finalement le sentiment d'avoir mal fait, de ne pas être égal à soi-même. Ce désir est corrélatif de la confiance qui permet de se lancer dans l'action, de s'arracher au cours des choses pour une liberté qui témoigne d'elle-même en exerçant ses capacités. Ricoeur souligne que nous sommes finalement à la recherche les uns et les autres d'un droit à l'amour de nous-mêmes et l'estime de soi et ce qui la rend possible.
Ce qui est estimable, c'est la capacité d'agir intentionnellement, c'est-à-dire de hiérarchiser et choisir pour commencer, avant de commencer, quelque chose de neuf, ce que Arendt appelle l'initiative. Ce moment réflexif de la pratique, de la praxis, où se marque la capacité d'évaluer ses actes et de s'en reconnaître ensuite l'auteur, révèle la dimension dialogale de l'estime de soi. Certes, en raison même de leur caractère réflexif, dans ses réflexions, l'estime de soi comporte, souligne Ricoeur, une menace de repli sur le moi, une menace de fermeture à rebours de l'ouverture de l'horizon de l'école. Mais en dépit de ce péril, remarque Ricoeur, l'estime de soi et la sollicitude ne peuvent se penser l'un sans l'autre. On a déjà fait allusion à ça il y a deux ans. La réflexivité du soi est subordonnée à la médiation donc de l'altérité de l'autre, car dire soi n'est pas dire moi. Soi implique un autre soi. Et c'est par abstraction seulement qu'on peut parler d'estime de soi sans la mettre en couple avec une demande de réciprocité. C'est pourquoi le jeu et le tu s'engendrent mutuellement. Soi implique l'autre, que soi, dans la demande de réciprocité entre les instituables, moi et l'autre, chacun identique, chacun semblable, chacun dissemblable, unique, qui est le sens de la sollicitude paradoxale. Sur le plan d'agir, Ricoeur se réfère au thème de l'amitié, en référence à Aristote, l'homme heureux a besoin d'amis. L'amitié est appréhendée ici comme une vertu et non comme un sentiment psychologique. Dans l'ami, c'est l'autre en tant que autre qui est envisagé. Considérer l'autre en tant que tel et cependant comme non semblable dans la réciprocité constitue ce que Ricoeur appelle la mutualité. Elle marque la contribution de l'autre à faire médiation sur le trajet qui conduit de mes simples capacités à un accomplissement effectif de ces capacités. Autrement dit, entre ma puissance potentielle et mon acte, il y a un écart, une distance que l'autre, parce qu'il me fait confiance, me permet de franchir. L'amitié est donc actualisation de la puissance de vivre, ce qui ne peut se réaliser que dans le vivre ensemble. Enfin, l'amitié fait transition de la relation dialogique entre un jeu et un tu vers la justice au sein de la pluralité humaine, comme on le voit maintenant. Si l'amitié conjoint la similitude et la reconnaissance mutuelle, il est possible, hors amitié, de rétablir la sollicitude par la reconnaissance et par une recherche, sinon de similitude, du moins d'égalité morale. Issue de l'estime de soi, la solitude conduit ainsi au sens de la justice qui s'étend au tiers, au sans-visage, à chacun, qui est au fondement de l'institution. Mais ce sens de l'institution juste apparaît principalement, nouveau paradoxe, de l'expérience d'une absence, car, selon Ricoeur, la justice est le plus souvent ce qui manque, et l'injustice ce qui règne. L'axe n'en est pas moins tracé. L'autre, c'est aussi l'autre que le tu, et la justice s'étend plus loin, on l'a dit tout à l'heure, que le face-à-face. Le bonheur, non seulement ne peut être qu'avec et pour les autres, mais il constitue d'emblée un horizon, un but collectif. Ce sera la traduction dans ce que Ricoeur appelle après Arendt, l'aspiration au vivre ensemble, qui nous est requalifiée par Ricoeur sous le mot étrange de l'oublier. Le vivre ensemble est ce qui nous est à ce point familier, comme l'air qu'on respire, qu'on ne se rend plus compte, qu'on l'oublie, ça devient transparent. Et c'est justement dans la catastrophe, dans le désastre, dans tout ce défait, qu'à ce moment-là ressurgit ce qui est à ce point évident, quand il manque, qu'on se rend compte qu'on l'avait oublié. Au plan des institutions, Ricoeur situe l'égalité comme l'équivalent de la sollicitude entre le jeu et le tu, dans un rapport à l'autre élargi au chacun, donc au sans-visage. Au total, la vertu de justice s'établit sur un rapport de distance à l'autre, aussi originaire que le rapport de proximité à autrui, offert entre les deux personnes qui se connaissent. Ce rapport à l'autre, distant, est en quelque sorte immédiatement médiatisé par l'institution, autrement dit, on ne peut pas ne pas le connaître. Après ce survol trop rapide de la phrase qui nous réunit cet après-midi,
un retour sur certains points spécifiques qui, à mon avis, sont directement dans l'attention de Ricoeur. Premièrement, Ricoeur s'attache à dissuader tout triomphalisme de l'ego. Il rappelle à Aristote que l'homme bon et heureux a besoin d'amis. On ne se suffit pas à soi-même. Deuxièmement, l'estime de soi est tributaire de la médiation d'autrui, qui me permet le passage de la capacité à l'effectuation. C'est la généralisation de la thématique qu'on trouve chez Gabriel Marcel de la promesse. C'est l'autre qui me permet, parce qu'il me fait confiance, de tenir mes promesses. Et ce n'est pas moi qui suis responsable par ma capacité à tenir parole, ou encore moins, encore pire, de mentir à l'autre en prenant des engagements gratuits. C'est la présence de l'autre devant qui je m'engage, qui me fait confiance, qui me permet de tenir le serment. Il y a donc la dimension réciprocitaire qui fait manifestement la différence entre le soi et un solipsisme, du moins centré sur lui-même. Dans ces conditions, l'éthique du vivre ensemble débouche sur l'idée que l'appartenance à un collectif renvoie à ce que Ricoeur appelle un infini endettement mutuel. C'est vrai non seulement entre contemporains, mais c'est vrai aussi par rapport au passé, dont nous sommes, dit Ricoeur, les consommateurs endettés et non les survivants souverains. Donc c'est un rôle aussi en termes de temporalité. Deuxièmement, il y a une dimension herméneutique évidente. Dans ces conditions, l'estime de soi, en effet, est elle-même une figure de la reconnaissance, dans un double sens, à la fois de discernement épistémique, le coup d'œil, et en même temps dans le sens de gratitude éthique. À la notion de vérité ou de vérification, doivent donc faire place ici celle de confiance, de fiabilité, de créance, de croyance. La suite de confiance qui en découle repose sur le bon usage de la clause classique de sincérité qui commande la crédibilité du langage. Plus largement, elle conduit à appréhender l'entrée dans un ordre symbolique comme subordonnée à la capacité d'entrer dans un ordre de la reconnaissance entendue comme une compréhension partagée. Plus largement, et je viendrai tout à l'heure dessus en terminant plus en détail, l'éthique du vivre ensemble coïncide avec la notion de pouvoir donc au champ pré-politique, comme reconnaissance mutuelle horizontale entre concitoyens, mais aussi verticale entre gouvernants et gouvernés. Enfin d'un mot, parce que je suis trop long, il est important de noter que dans ce texte-là et dans bien d'autres, Ricoeur marque nettement les limites de la raison expérimentale, d'un raisonnement entre fin et moyen. C'est le fait d'avoir déjà introduit les choses à partir de la notion de phronesis chez Aristote pour en faire la dimension principale de la raison pratique. Ce qu'on peut dire d'un mot, c'est que dans un autre texte antérieur, dans le texte à l'action, le chapitre sur la raison pratique, Ricoeur s'insurge contre ce qu'il appelle l'idée la plus dangereuse de tous, de toutes. L'épisode recèle d'une histoire de science de la pratique. Et inversement, il souligne le fait que notre faire fait que la réalité n'est pas totalisable. À partir du moment où il y a de l'initiative, on ne pourra pas a priori l'englober dans une théorie finie, on ne va pas cesser de courir après du neuf. Alors, une pause pour faire rapidement un premier point. Que faut-il comprendre, première question, par institution juste? La visite du vivre bien ne se limite pas à une relation interpersonnelle, on l'a dit, mais elle s'étend à la vie de l'institution, qu'elle irrigue du sens de la justice. La sollicitude entre un jeu et un tu devient alors exigence d'égalité pour tous. Les institutions, quant à elles, dit Ricoeur, c'est la structure du vivre ensemble d'une communauté historique, c'est-à-dire des mœurs communes, davantage que des règles, contrairement institutionnelles. Donc c'est le sens de l'éthos, d'où l'éthos, les mœurs, d'où l'éthique tire son nom. Il y a donc primauté du vivre ensemble sur les contraintes liées au système juridique et politique. Dans les termes de Hannah Arendt, il s'agit, qu'il reprend à son compte, du pouvoir en commun, horizontal, distinct de la domination verticale, hiérarchique. Ce pouvoir se caractérise par l'action qui est
épuise la signification dans son propre exercice, qui est en fait l'action à sa propre finalité en elle-même. Elle ne laisse aucune œuvre derrière elle, mais constitue la tentative la plus haute pour conférer de l'immortalité à des choses périssables, c'est-à-dire, autrement dit, pleinement vivre. Pour préciser la notion de couleur vivre ensemble, Ricoeur la complète par la notion de justice comme système de distribution ou de répartition. En effet, vivre ensemble a une connotation potentiellement fusionnelle et Ricoeur a le souci de la contrebalancer par une notion de division ou de séparation. Mais la notion de répartition exprime en fait deux sens de l'idée de partage. D'une part, il y aura le sens de prendre part à l'institution, c'est-à-dire participer. Et d'autre part, il y a le sens de distribuer des parts assignées à chacun selon ce qui lui revient. Deuxièmement, les institutions justes n'existent pas sans l'engagement des citoyens. C'est le sens même de prendre part, à distinguer de recevoir sa part. Et l'engagement n'est pas le fait d'un individu souverain, on l'a dit, il est l'expression d'un engagement mutuel. Agir est finalement la réplique à l'expression d'un endettement mutuel. C'est agir et la réplique du premier don dont nous sommes avec le bénéficiaire, commencé fondamentalement par le fait d'être né. Donc il n'existe pas un acte ad initio, mais uniquement un acte en réplique. D'où un agir habité par l'autre et un soi capable de se regarder soi-même comme un autre, conscient de sa contingence et de son incomplétude. L'engagement par endettement mutuel est en ce sens une pédagogie de l'interdépendance et de la coopération. Mais l'éthique démocratique ainsi conçue permet d'éclairer le comment et le pourquoi de la reconnaissance mutuelle horizontale et verticale à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Elle crée en effet les conditions d'un agir en commun entre égaux, notamment, et ce faisant, elle donne les conditions de l'apprentissage possible d'une reconnaissance du lien vertical avec nos représentants qui exercent un pouvoir sur nous. Autrement dit, cette capacité de reconnaissance crée les conditions d'un pouvoir démocratique auquel on puisse légitimement consentir, sans succomber pour autant à la domination ou à la servitude volontaire. C'est donc tout l'enjeu, et cela suppose évidemment des médiations pour que l'expression de ce vouloir vivre ensemble puisse se manifester le plus fidèlement possible aux gouvernants pour orienter leur action et réciproquement. C'est finalement l'idée d'un pouvoir dont la légitimité serait sa capacité à faire grandir, croître ceux sur lesquels il s'exerce. Alors, en deux phrases, vu les mots le contexte, nous sommes en contrôle de tout. Ça me suggère trois perspectives en termes de propositions pour aujourd'hui, en reprenant une trilogie chère à Ricoeur entre trois registres, avoir, pouvoir, valoir, économique, échange, le pouvoir, on en a parlé, et le valoir, c'est-à-dire la représentation de la culture. Il me semble que dans un premier temps, du côté de l'économie, d'avoir, ça suggère cette notion d'endettement mutuel, un agir économique notamment, qui ne soit pas uniquement de la prédation, mais qui commence et intègre davantage une part de gratitude pour ce que nous avons à recevoir au lieu d'avoir encore à conquérir et à prélever. Ça peut avoir des conséquences en termes de responsabilité sociale d'entreprise, développement durable, préservation de l'environnement et de la planète, etc. Deuxièmement, il me semble que dans le domaine du politique, ça nous incite à nous intéresser de plus près à la coopération, y compris dans les domaines extra-politiques, infra-politiques, le travail, les associatifs, les loisirs, etc., pour y insuffler une dose plus importante de coopération, et en particulier, ce n'est pas ses intérêts, de nous montrer l'endettement mutuel comme une pédagogie de la coopération et de l'interdépendance. Et je dirais que ça peut même servir pour la construction européenne, en ce sens que ça relativise ce que nous pouvons avoir les uns et les autres de prétention à la souveraineté. Et donc, ce que nous rabattons en termes de souveraineté est un plus en faveur de coopération et notamment de construction supranationale. Enfin, troisièmement, dans l'ordre du valoir, il me semble que cette intégration de soi et de l'autre est une invitation intégrée à admettre l'idée, mieux encore que jusqu'à présent, qu'il y a de l'autre en soi et réciproquement, et autrement dit, de porter un regard tout à fait différent sur l'altérité, celui que subit par exemple, qui a actuellement la propension d'ériger des frontières et d'avoir peur de tous les autres, toutes les figures de l'autre, non seulement
les visages et les sans-visages, mais aussi cette figure de l'autre qui est la plus abstraite peut-être, qu'on appelle non seulement l'inconnu, mais finalement le futur. Voilà. Et donc je pense que dans ces conditions-là, en fait, les trois éléments sont circulaires, sont cycliques, et induisent une temporalité dynamique, avec un passé, une préoccupation du passé, reconnaître ses dettes, le plaisir de vivre ensemble dans la coopération, dans le présent, et puis projeter par l'intention, avoir un regard différent sur l'inattendu, vers le futur.